in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause. Bonsoir mes bien-aimés, voilà, nous sommes le premier jour de l'année, nous sommes le mardi 1er janvier 2019 et vous voyez que je suis au rendez-vous comme à l'accoutumée, donc je suis déjà d'aplomb, pressée de servir le Seigneur en cette année, en cette nouvelle année 2019. Je suis ici dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et aussi au nom de l'Église de la montagne de prière et pour vous souhaiter, pour vous adresser tous mes vœux les plus chers. Mes vœux les plus sincères vont vers vous. Mes vœux les meilleurs vont vers vous en cette nouvelle année, en ce nouvel an. Vraiment que Dieu relâche toutes ses bénédictions sur et dans votre vie. Je vous adresse donc tous les vœux du ciel, les vœux de prospérité, les vœux de santé, les vœux de bonheur. Les vœux d'une pluie abondante et aussi que cette année soit une année exemplaire, exceptionnelle dans tout ce que vous avez connu. Bien-aimés, je dis bonsoir à vous tous, bonsoir à la Martinique, je dis bonsoir également aux îles de la Guadeloupe. Soyez richement bénis, que la grâce de Dieu, le bonheur coule dans vos vies, dans vos maisons, ainsi que sur toutes les îles, nations entières. Je vous dis bonsoir dans le nom puissant de Jésus et meilleurs vœux à l'Hexagone, meilleurs vœux à tous ceux qui peuvent aussi nous suivre sur Facebook, que vous ne soyez pas en reste. Que Dieu vous bénisse en cette nouvelle année. Si vous venez vous annoncer une très, 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 très bonne nouvelle, c'est l'année où une pluie abondante divine, c'est l'année d'une pluie abondante de bénédictions, une pluie va couler dans votre vie, sur votre vie, et également c'est l'année de votre rétablissement complet. Le livre de Joël, au chapitre 2, verset 25, nous dit « Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par la sauterelle, le gilec, le hasil, le gazam. » Et au verset 26, toujours du livre de Joël au chapitre 2, la Bible nous dit « Vous mangerez et vous vous rassasirez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. » Il y a aussi le livre d'Ecclésias au chapitre 3, au partir du verset 1er, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Bien-aimés, bonsoir. Et j'aimerais, avant de continuer, déclarer et surtout prier pour que le Seigneur puisse bénir ce nouveau jour, ce nouvel an, cette nouvelle année. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu nous as gardés en vie. L'année 2018 vient de s'achever et nous sommes en train, Seigneur, d'entamer une nouvelle année. Ô Dieu, nous savons que ta grâce, le bonheur, la faveur, le succès, les opportunités vont couler dans notre vie parce que tu es Dieu, tu es le grand El Gibor, Papa. La Bible déclare que tu as formé sur nous des projets de paix, de bonheur et non de malheur afin de nous donner un avenir et plein d'espérance. Seigneur, nous savons que ce que tu as dit va forcément s'accomplir dans notre vie. C'est pourquoi en ce jour merveilleux, en ce premier jour de l'année, nous sommes venus t'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance pour tout ce que tu as fait hier et tout ce que tu feras pour nous aujourd'hui. Que ton nom seul soit béni, glorifié, exalté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Bien-aimé, merci. Hey, c'est déjà une nouvelle année. Et il se fait un certain bruit, un bruit qui annonce l'appui. Ta saison de bénédiction, ton temps, ton heure de rétablissement complet sont arrivés. Tout ira bien pour toi. All will be well. Tout ira bien pour toi. All will be well. Tu vas
affirmer à Dieu ta confiance à 100%. Dieu ne saurait mentir. Tu vas récupérer cette année 2019. Tu sais, quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, où tout avait été mis à leur disposition, des grâces, des délices, des choses extraordinaires avaient été mises à leur disposition. Mais quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont tout perdu. Ils ont perdu la protection divine, ils ont perdu la prospérité, ils ont perdu la puissance divine. Ils ont également perdu tout l'or. Alors qu'ils avaient tout à leur disposition. Bien-aimés, rappelez-vous que la Bible nous dit dans le livre de Genèse au chapitre 2, le premier fleuve, il y avait 4 fleuves dans le jardin d'Éden, et le premier fleuve est Pishon, et ce fleuve entourait tout le pays de Havila où se trouvait de l'or pur. Bien-aimés, ils ont tout perdu. Adam et Ève ont perdu dans le jardin d'Éden leur santé divine, ils ont perdu les merveilles divines, ils ont perdu tout ce que Dieu avait mis à leur disposition et les cieux n'étaient plus ouverts sur leur tête puisqu'ils ont été chassés dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous que pour qu'ils ne puissent plus retourner dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait disposé à l'entrée du jardin des chérubins qui agitaient des épées flamboyantes. Est-ce que tu sais que je suis venu te dire aujourd'hui, est-ce que tu sais que dans l'agenda de Dieu, l'appui et le rétablissement sont des frères jumeaux? Il y a l'appui qui arrive en premier lieu et en seconde position, il y a le rétablissement qui se fait suivre. Et regardez ce qui s'est passé pour Élie. Élie a dit au Akab, car il se fait un bruit qui annonce l'appui. C'est-à-dire, il y avait l'orage avant l'appui et je vois pour toi, en cette nouvelle année, désormais, de la joie, là où il y avait de la tristesse, là où il y avait du chagrin. Je vois, en ce nouvel an pour toi, là où il y avait des pleurs, je te vois en train de sourire. Je te vois en train de partager la joie. Et comme le dit la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, bien-aimés, soyez toujours joyeux. Je le dis, soyez toujours joyeux. C'est la Bible qui le dit. Cela signifie quoi? Cela signifie que en cette nouvelle année, l'impossible deviendra possible. La misère se changera en miracle. La famine, la disette, la pauvreté se changeront en prodiges. Cela signifie quoi? Cela signifie que la situation qui était hier en 2018 insoutenable, la situation qui était catastrophique l'année dernière, cette situation deviendra un coup de grâce exceptionnel. Cela signifie quoi? Toi qui recherches Dieu depuis longtemps, tu avais cette soif, tu avais cette attente, et cette soif, cette attente deviendront des manifestations divines. Dieu est en train de faire pleuvoir une pluie abondante de bénédictions dans ta vie. C'est ta saison. Des bénédictions tous azimuts, des bénédictions de toutes sortes, des bénédictions spirituelles, des bénédictions matérielles, des bénédictions financières, des bénédictions sentimentales, des bénédictions familiales, des bénédictions émotionnelles. Oh, 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 il se fait un bruit. Un bruit qui annonce l'appui et qui amène tout sur son sillage, qui amène le rétablissement complet sur son sillage, qui amène, cette pluie amène la restauration complète, la restitution totale de tout ce qui a été volé. J'entends un bruit, j'entends une pluie. En d'autres termes, c'est très, très, très proche. Ta réponse arrive. Les percées si longtemps attendu arrive, je dirais, avec beaucoup de fracas. Il faut que tu sois conscient, il faut que tu sois consciente au plus profond de toi que quelque chose de puissant va se produire dans ta vie au cours de cette année 2019. Je viens faire taire toute mauvaise
voix dans ton esprit, toute mauvaise voix décourageante, toute voix mensongère, toute voix de tristesse, toute voix de pleurs, toute voix de larmes. Je viens faire toutes ces voix-là dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens t'annoncer avec une assurance fervente, avec une assurance inconditionnelle, qu'une pluie arrive. Et là, cette pluie va rétablir, elle va restaurer tout ce que tu attends. Et cette pluie annonce une manifestation extraordinaire, fabuleuse de miracles. Des miracles qui vont se déployer dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle tu dois tenir ferme. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas te décourager. C'est la raison pour laquelle tu dois, fixer tes yeux. Il faut que tu aies les yeux rivés sur le roi de gloire, le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu de gloire, le Dieu de toute éternité. Cette pluie arrive. Alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, en ce premier jour de l'année, je viens t'annoncer une pluie de bénédiction. Et qui fera cela? C'est Dieu. J'aimerais te remercier aussi. Toi qui as été là notre nuit, hier soir, toi qui as été là. Oh là là, c'était extraordinaire. Vous étiez si nombreux. Vous avez vu la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire que vous avez vue hier soir, c'est cette gloire qui va se manifester et qui continuera à se manifester tout au long de l'année 2019. Dieu fera en sorte que les plans sataniques, les complots, les ruses, toutes les armes avec lesquelles le diable t'a combattu les années antérieures, Dieu fera en sorte que tout cela concourt à ton grand bien. Oh, j'aimerais que là où tu es, que tu dises avec moi, que tu répètes avec moi, Dieu renverse la situation difficile de ma vie. Dis-le encore, Dieu renverse la situation difficile de ma vie. Dis-le une troisième fois, Dieu renverse la situation difficile de ma vie. Amen. Maintenant, je vais prophétiser sur ta vie. Je vais prophétiser sur ta vie qui pleuve. Je dirais une pluie illimitée de bénédiction, une pluie abondante de bénédiction. Oh, je vois la pluie qui se faufile à l'horizon. Je vois cette pluie qui se faufile à l'horizon. La Bible nous dit ceci dans le livre de Habacuc, au chapitre 2, à partir du verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Enfin, je suis venu te dire aujourd'hui que ton temps de réjouissance sont finalement arrivés. Je prophétise sur ta vie aujourd'hui que tous les barrages, que tous les blocages, que toutes les murailles sataniques qui se sont dressées devant ta porte, aujourd'hui, à partir de maintenant, ces murailles sont écrasées. Je vois ces murailles complètement détruites. Je vois une main se détacher et mettre le feu dans les blocages, dans les murailles, dans les obstacles, dans les entraves qui se trouvaient devant ta porte. Oh, je vois une main invisible saccager, anéantir, assassiner, ruiner tous les filets, tous les liens, toutes les forteresses qui étaient dans ta maison, qui se trouvaient autour de ta maison. Je prophétise sur ta vie que cette année, qu'elle t'amène des choses que tu n'as jamais vues, des choses que l'oreille n'a point vues, des choses que l'œil n'a point vues.
Je prophétise et je déclare, cette année tu seras célébré. Cette année tu seras élevé. Cette année sera l'année de rattrapage. Où tu n'as et tu vas expérimenter des choses fabuleuses. Ah là là. Ce mois, ce sera un mois extraordinaire, un grand et excellent moment de ta vie, le mois de janvier 2019. Aïe, 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 le changement est là. Je sens que le changement est là. Et je suis venue te dire aujourd'hui que Satan, il va pleurer. Tes adversaires seront en larmes. Waouh! Cette année 2019 sera vraiment l'année de ton rétablissement complet. Oui, tu seras rétabli totalement, complètement. Tu sais, avant qu'il ne pleuve, il faut toujours qu'il y ait de l'orage ou des nuages sombres. Mais je viens te dire aujourd'hui que quels que soient les nuages qui ont sévi dans ta vie au cours de l'année 2018, 2019 arrive avec son conteneur de changement, son conteneur de bénédiction, son conteneur de pluie abondante, son conteneur de succès, son conteneur de grâce, de faveur. 2019, hein, c'est une année où on parlera de cette année, qu'on ne sera pas prêt, les gens ne seront pas prêts d'oublier cette année. Ce sera une année mémorable, ce sera une année remarquable, l'année de tous les grands défis. Oui, tes jours de chagrin, tes jours de souffrance, tes jours de rejet, tes jours de mépris, tes jours de santé pauvre, tes jours de sécheresse, de honte, tes jours de retard, de stagnation, de limitation, tes jours et ces choses-là vont désormais faire partie de ton passé. Tu marcheras sur les lieux élevés. Tu seras élevé. Tu vas régner. Tu vas dominer. Oh, dis amen et je prophétise sur ta vie. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, je suis venu te dire que tu seras prospère. Tu vas prospérer dans tous les sens, dans tous les domaines de ta vie. La parole de Dieu déclare, l'Éternel veut que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je prophétise sur ta vie que tu connaîtras des choses que tu n'as jamais connues auparavant. Oh, cette année sera une année qui va rester dans les annales. Au cours de cette année, tu écriras l'histoire de ta vie. Les pages de désespoir, les pages de rejet, les pages de chagrin, les pages, oh, de misère, de famine, de disette, les pages de péché seront fermées et toutes les pages de bonnes nouvelles vont être ouvertes au cours de cette année. Je prophétise sur toi, toi qui me regardes. Tu seras la tête et non la queue. Je prophétise sur ta vie en cet instant. Reçois l'onction de tête. Reçois l'onction de la tête, l'onction de l'excellence. Reçois maintenant. Je prophétise que l'onction de la queue, c'est derrière toi. Chaque matin, je prophétise sur ta vie. Chaque matin, tu seras comblé d'une bonne santé physique, d'une bonne santé financière. Tu seras comblé de prospérité. Je prophétise que tu seras comblé cette année et même au cours de ce mois d'une paix abondante. Tu seras comblé de force. Tu seras comblé de joie. Cette année apportera un plus dans ta vie, dans ton foyer, dans tes affaires, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans ton travail, dans ton commerce, dans tes affaires. Tous les jours, tu recevras des percées fraîches. Chaque jour de l'année 2019,
tu percevras une onction fraîche. La Bible déclare que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses bontés se renouvellent chaque jour. Cette année t'apportera des opportunités dans les affaires. Oh, tu verras la gloire de Dieu. Tes affaires seront fructueuses. Les partenaires vont te localiser. Les partenaires d'affaires vont te localiser. Le sang de Jésus sera abondant dans tes affaires, dans ta vie, dans ton foyer. Tes affaires et des percées seront fructueuses dans tous les domaines de ta vie. Que cela soit ton partage maintenant. Oh, je prophétise que tu sois plus proche de Dieu. Que cette année t'attire la protection de Dieu ainsi que dans ta famille. Tu recevras les choses d'une manière exceptionnelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu fera des choses extraordinaires dans ta vie. Tes enfants, tu ne les reconnaîtras plus. Ta famille ne te reconnaîtra plus parce que tu prendras un nouveau départ avec le Seigneur. Ta vie de prière va changer. Ta manière d'être, ton comportement, ton langage, ta perception des choses vont être changées. Tu auras un nouveau focus. Les choses anciennes vont être enterrées parce que les choses anciennes vont faire partie de 2018. Oh, je vois cette année te propose, l'année 2019 te propose des choses agréables. L'année 2019 te propose le sourire, l'allégresse, la joie, la persévérance avec le Seigneur. Je prophétise que ta vie de prière change. Je prophétise que ton focus change vis-à-vis du Seigneur. Je prophétise également dans ta vie, tu ne seras plus jamais la même personne. Les choses qui t'ont, et jusque-là qui ont été retenues par tes ennemis, tes adversaires, ils sont obligés de reconnaître que Dieu est avec toi, que tu sers un grand Dieu. Ils sont obligés, tes adversaires, tes ennemis, sont obligés de reconnaître que le Dieu que tu sers n'a pas changé et qu'il ne t'abandonnera. Et qui ne t'a pas abandonné. Dieu fera de nouvelles choses avec toi. Ce sera le Dieu de nouveaux départs. Ce sera le Dieu de nouveaux défis. De nouvelles routes de bénédiction seront frayées te concernant. De nouvelles dispositions professionnelles, financières seront ton partage. Je prophétise qu'en cette nouvelle année, les choses qui étaient bloquées vont être débloquées. Je suis venu te l'annoncer. Également, toutes les choses qui t'ont été refusées vont te localiser afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. S'il te plaît, quand tu auras toutes ces choses, n'oublie jamais ton Dieu. Ne le mets pas dans un tiroir, ne l'enferme pas dans un tiroir. Parce que Dieu aime qu'on lui rende grâce, même dans les petites choses. Cette année, je suis venue te dire pour cette nouvelle année de prendre de nouvelles dispositions avec ton Seigneur. Si tu ne priais pas, demande au Seigneur que tu pries beaucoup plus. Si tu n'as jamais lu ta Bible, ou encore si tu avais du mal à lire ta Bible, je viens te dire de prendre et de faire cette alliance avec ton Dieu. D'entrer en alliance avec ton Dieu. Dieu est un Dieu d'alliance. La Bible, l'Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance, et le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. En cette année nouvelle, je suis venu te dire de prendre de bonnes décisions. La Bible déclare que j'habite dans le livre de 1 Chronique. Jabet a fait une alliance avec Dieu. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites,
si tu me préserves de tout mal. Et la Bible nous dit que Jabez n'avait même pas terminé, puisqu'il y a un point d'exclamation et trois points de suspension, qui n'avait même pas terminé sa prière. La Bible nous dit que Dieu lui accorda tout ce qu'il avait demandé. S'il te plaît, en cette nouvelle année, fais alliance avec ton Dieu. Car Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne connaît que les alliances. Dieu marche dans l'alliance. L'alliance, c'est l'accord que tu signeras avec lui. L'alliance, c'est l'engagement que tu vas prendre vis-à-vis de lui. Sur cette terre, tout est fait, tout est basé sur l'alliance. Tous les contrats, une alliance, c'est un contrat entre deux parties, c'est un engagement, c'est un lien entre les parties. Et les parties s'engagent à respecter les clauses de l'alliance. S'il te plaît, je suis venue te dire en cette nouvelle année, rentre dans une alliance avec ton Dieu. Et Dieu se tient toujours derrière l'alliance pour exécuter sa parole. Dans les églises, on n'aime pas trop en parler, mais cette année doit être une année remplie d'alliances. Dieu est le Dieu d'alliances. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Seigneur a fait une alliance, a signé une alliance avec Noé, afin que la terre ne soit plus détruite. D'ailleurs, cette alliance est marquée par l'arc en ciel, qui est dans les nuages que vous voyez souvent quand il pleut. Dieu, par cette alliance, a décidé de ne plus détruire la terre. David aussi a eu des alliances avec le Seigneur. Abraham a eu une alliance avec le Seigneur, l'alliance de la circoncision. Bien-aimé dans le Seigneur, revois tes objectifs. Revois tes objectifs avec le Seigneur. Une nouvelle année s'est prononcée. Une nouvelle année est arrivée. Nouvelle donc disposition avec le Seigneur. Nouvelle vision avec le Seigneur. Nouvel engagement avec ton Dieu. Nouvelle alliance avec le Seigneur. On entre dans une année où les choses extraordinaires vont se passer, mais à condition que tu signes le contrat avec ton Dieu. Et crois-moi, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, Dieu se tiendra derrière sa parole. Il se tiendra derrière son alliance pour ne pas te faire de faux bonds. Dieu a la responsabilité de respecter son alliance. Mais toi qui feras des vœux, et c'est le moment de le faire, toi qui feras des vœux avec ton Dieu, je te prie, engage-toi sérieusement et sincèrement avec ton Dieu. Ne tarde plus et ne tarde pas à rentrer en alliance avec Dieu. Les temps sont courts. La Bible nous dit que les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles et seront difficiles. Mais puisque toi, tu seras en alliance avec Dieu, Dieu sera et il saura te protéger. L'alliance te sécurise. Quand tu es dans une alliance avec Dieu, tu as la sécurité. Quand tu es dans une alliance avec Dieu, Dieu ne permet pas que tu sois touché par l'ennemi. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Alléluia. Bien-aimé, et pour cette nouvelle année, je suis venue t'annoncer que nous avons pris de nouvelles dispositions. Nous allons, effectivement, nous ne sommes pas des gens qui peuvent être pris au dépourvu, mais quand nous faisons les choses avec Dieu, nous les faisons dans l'ordre. Et Dieu aime l'ordre. C'est pourquoi je viens t'annoncer que nous aurons un grand programme de jeûnes de 21 jours qui commencera du 16 janvier au 5 février. Un grand programme de jeûnes qui commencera du 16 janvier au 5 février. De 6 heures du matin à 18 heures le soir, nous allons jeûner. Et chaque soir,
nous allons nous retrouver à l'église La Montagne de Prière, dont je te donne l'adresse de suite. L'église de la Montagne de Prière, dont je fais partie, se trouve donc du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première sur la gauche, l'entrée de Montcalbas. Et ensuite, vous prenez la deuxième sur la gauche, c'est la rue de la Tuma. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Nous sommes juste à côté. L'église de la Montagne de Prière se trouve juste à côté. Donc, dans cette église, à partir du 16 janvier, nous aurons un grand programme de jeûne qui se terminera le 5 février 2019. Donc, chaque soir, nous allons nous retrouver pour une heure de prière. Nous allons invoquer le nom de notre Seigneur. Vous savez, une nation qui prie, une église qui prie, c'est une église qui remporte du succès. Et Dieu a dit dans sa parole qu'il cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui n'en trouve pas. Est-ce que Dieu peut compter sur toi en cette nouvelle année? Est-ce que toi qui m'écoutes, femme, homme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui m'écoutez, est-ce que Dieu peut compter sur vous? Vous savez, un pays qui ne prie pas ne peut pas remporter de victoire. Une église qui ne prie pas ne peut pas être une église victorieuse. Je suis venu renverser les donnes. Je suis venu renverser les choses, renverser les mentalités pour vous dire de vous accrocher à Dieu. Car sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Il est, nous dit la Bible, l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu de toute autorité, il est le Dieu de toute gloire. Et c'est lui qui tient la terre entre tes mains. C'est lui qui tient ta vie. C'est lui qui tient votre vie entre ses mains. Écoutez, si vous ne mettez pas Dieu à la première, en pole position, si vous ne donnez pas la première place à Dieu, vous ne pouvez rien avoir sur cette terre. Non! Je ne vois pas comment quelqu'un peut réussir sans avoir Dieu dans sa vie, sans la présence de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, si tu mets de côté, si vous mettez Dieu de côté, vous allez vivre la vie la plus misérable sur cette terre. Bien-aimés, ce temps de jeûne qui est proclamé du 16 janvier au 5 février, c'est ton affaire, c'est ton histoire. Sens-toi concerné par ce temps de jeûne où Dieu va se manifester d'une manière glorieuse dans ta vie. Tu as besoin de jeûner. Vous avez besoin de jeûner. Un nouveau commencement, une nouvelle année, un nouveau départ, un nouveau commencement, un new beginning. Vous savez que Daniel a jeûné 20 jours. Daniel a jeûné 20 jours. Mais au 21e jour, la percée s'est manifestée. Michaël, le guerrier, le chef de l'armée angélique, il s'est introduit dans la bataille. Et l'ange a pu passer pour délivrer le message. Bien-aimé, pendant ce jeûne, Dieu fera tout ce qu'il faut faire pour arriver jusqu'à toi. Dieu fera tout pour te rencontrer, pour que tu n'abandonnes pas. Dieu fera tout pour se révéler à toi pendant ce jeûne de 21 jours. Si tu n'as pas l'habitude de jeûner, si tu ne sais pas jeûner, si tu n'as jamais jeûné, viens, ça va être un moment et des moments. Venez, ça va être des moments glorieux dans la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Nombre chapitre 29, verset Nombre au chapitre 23, pardon, verset 19, déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimé, rappelle-toi que chaque fois que tu pries, tu mets de la pression dans la sphère spirituelle. Chaque fois que tu pries, chaque fois que tu jeûnes, tu mets de la pression dans la sphère spirituelle. Les prières remplissent les nuages quand tu pries. Et ces nuages sont obligés de relâcher tes bénédictions. La prière, c'est une affaire sérieuse. Et quand tu ne pries pas, nous dit la Bible dans le livre de Samuel, quand tu ne pries pas, c'est un grand péché devant Dieu.
quand tu pries, quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu jeûnes, Dieu vient sauver ta nation. Il vient sauver ton pays. Il sauve ta famille. Il sauve tes affaires. Il te donne la santé qu'il faut. Il te donne les bénédictions qu'il faut. Quand tu ne pries pas, Dieu ne peut pas t'entendre. Quand tu pries, Dieu entend ta voix. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Néanmoins, il y a une manière de prier. Il y a des gens qui disent, mais on a déjà tellement prié. La Bible dit dans le livre de Jacques, vous ne recevez pas. Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais il faut savoir prier. Et l'église de la montagne, l'église de la montagne de prière, c'est une église où on prie. La Bible dit que la prière fervente du juste sera d'une grande efficacité. Dans cette église, la montagne de prière, nous prions. Nous ne caressons pas le diable. Nous ne caressons pas les démons. Nous prions et Dieu nous exauce. Nous avons une multitude de miracles qui se sont produits en 2018. Les gens ont vu la gloire de Dieu. Les cancéreux ont été guéris. Les paralytiques ont marché. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Oh my God! Les gens qui n'avaient pas travail, qui étaient depuis dans des situations compliquées, difficiles, ont retrouvé du travail. Oh, mes bien-aimés. Les enfants qui étaient dans la drogue, dans la prostitution, ont retrouvé et ont trouvé le chemin du salut. Bien-aimés, dans cette église, la montagne de prière, nous ne rigolons pas avec le péché. Nous ne blaguons pas avec les difficultés. Dieu nous répond. Vous avez entendu le nom? La montagne de prière. Nous allons souvent et nous allons surtout et nous allons tout en haut de la montagne pour faire entendre nos voix et pour que nous puissions être exaucés. Dieu nous répond. Dieu n'est pas sourd. La Bible déclare que Dieu n'est pas sourd pour ne pas entendre nos prières. Ses bras ne sont pas trop courts pour sauver, ni ses oreilles trop sourdes pour entendre nos prières. Dieu répond aux prières. Nous sommes tellement contents. Nous sommes tellement fiers. Oh, de servir un Dieu aussi puissant, aussi merveilleux. Il est bon. Il est très bon. Bien-aimés, pendant ce jeûne de 16 jours, du 16 janvier au 5 février, pendant ce jeûne, tu auras besoin d'un mot. Et Jésus te donnera un mot. Un mot qui pourra même te sauver de la fournaise ardente. Ce mot qui te permettra de tenir quand tu seras dans la fournaise ardente. Un mot. Tu auras besoin d'entendre une parole de la part de ton Seigneur qui pourra, et malgré... si tu rencontres des difficultés, avec le mot que le Seigneur va susurrer à ton oreille, tu pourras tenir dans la fournaise ardente. Alléluia. Si tu as un mot, tu peux avancer dans cette vie. Tu auras besoin juste d'une parole de la part de ton Seigneur. Et dans ce programme de 21 jours, nous allons lever nos mains vers le ciel pour dire à Dieu d'envoyer l'appui de bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, ça va être glorieux. À la montagne de prière, l'église où la délivrance, elle est proclamée dans cette église. Oh, la parole de Dieu, elle est relâchée avec assurance, avec hardiesse. La révélation, elle est relâchée dans son intégrité. Dieu se glorifie. Il se glorifie dans nos vies. La montagne de prière, alléluia. Dans cette église, nous voyons la gloire de Dieu exploser. Parce que nous savons que nous marchons, comment nous marchons avec notre Seigneur. Nous refusons ce qui n'est pas bon. Et nous prenons la parole de Dieu qui est bonne. Dieu agit dans sa bonté. Il agit dans sa longanimité. Il agit avec bienveillance envers nous. Nous voyons tous les bienfaits de Dieu chaque jour de notre vie. Quels sont les horaires de la montagne de prière, de l'église de la montagne de prière? Nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 pour entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu avec des enseignements qui sont extrêmement puissants. Ce jeudi, je te reçois. Chaque jeudi, je reçois à partir de 10h.
Et ce jeudi, je te reçois à partir de 10h jusqu'à 13h30. Ce vendredi qui arrive, ce sera le premier vendredi de l'année. Et je suis sûre d'une chose, c'est que Dieu est déjà au rendez-vous. Le vendredi, c'est notre soirée de délivrance. Nous prions pour tous ceux qui sont malades. Nous prions pour les affligés. Nous prions pour les captifs, pour que le Seigneur puisse les libérer. Nous prions pour les prisonniers, pour qu'ils soient délivrés. Nous prions pour les aveugles. Nous prions pour les sourds, nous prions pour les malentendants, nous prions pour tous ceux qui sont affligés, qui sont courbés sous le poids de la vie. Mais tu cherches une église où il y a la délivrance. Tu cherches une église où il y a la restauration. Je t'en prie, cours vite à la montagne de prière qui se trouve à l'adresse suivante. Hypermarché, Carrefour de Dillon. Tu prends la première sur la gauche, l'entrée de Montcalbas. La deuxième rue sur la gauche, il y a un panneau, c'est écrit Sokazi, nous sommes juste à côté. Bien-aimés, c'est une église où nous voyons la gloire de Dieu. Mon numéro de téléphone, note-le, Pasteur Marie-Claude, le 06 96 33 36 45. Je répète, 06 96, 33, 36, 45. Bien-aimés, j'ai vu des choses en 2018. J'ai vu des choses incroyables. Des miracles qui ne sauraient se raconter. Ne permets pas que les gens viennent te raconter. Mais viens voir ce qui se passe dans cette église. Je ne suis pas là pour te mentir parce que le Dieu que je sers n'est pas un menteur. La Bible dit que c'est le diable qui a été un meurtrier. Il a été un menteur dès le début. Mais le Dieu que je sers, il est le Dieu de vérité. Il marche dans la vérité. Il ne connaît que la vérité. Et son nom, c'est la vérité. La Bible dit, il est Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, je suis à ton service dans cette église. Le dimanche, nous commençons notre culte à partir de 9h parce qu'il y a l'école de fondement pour connaître l'abécédaire de la Bible. Ça se passe le dimanche, chaque dimanche à partir de 9h. Notre école de fondement est suivie du culte de louange et d'adoration. Et le dimanche après-midi, oh my God, le dimanche après-midi de 17h à 18h, le dimanche après-midi de 17h à 18h, nous avons ce qu'on appelle racher, couper. Une heure de prière agressive, pas la colère, hein? Une heure de prière agressive où nous défonçons les portes de problèmes, les portes de situations difficiles. Nous défonçons ces portes. Nous fermons toutes les portes de malédiction. Nous mettons en cage les démons qui nous persécutent. Nous jetons en prison les adversaires, les sorciers. Et nous commandons aux portes de bénédiction, aux portes de grâce, de faveur, de s'ouvrir. Et cela se passe chaque dimanche, de 17h à 18h. Cela s'appelle racher, couper. À la montagne de prière, quand tu y viens, tu ne peux jamais rester la même personne. Si tu veux connaître la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux connaître, oh, comment le ciel peut s'ouvrir et comment le ciel peut rester ouvert sur ta vie, cela se passe à la montagne de prière. Je te donne à nouveau l'adresse. La montagne de prière se trouve donc la première entrée sur la gauche de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Ensuite, tu prends la deuxième entrée sur la gauche. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Et la montagne de prière se trouve juste à côté. Bien-aimé, appelle-moi. Je suis le pasteur Marie-Claude. Je suis à ton service. C'est une joie. J'éprouve de la joie. J'éprouve du plaisir à prier pour vous afin que votre vie puisse changer. Bien sûr, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il te plaît, je suis à ton service. Mon job, mon travail, c'est de prier pour toi afin que Dieu puisse t'exaucer et que tu te sentes bien dans ce monde. Car nous dit la Bible,
la grâce et la faveur de Dieu t'accompagneront chaque jour dans ta vie. Bien-aimés, donc c'était l'émission sur la montagne de prière avec votre servante, le pasteur Marie-Claude. Je réponds donc au 06 96 33 36 45 et appelez-moi, je vais prier avec vous et je vous donne déjà rendez-vous dès demain soir à la montagne de prière à partir de 18h30. Meilleurs vœux à vous, bonne année et à demain, que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Zouk TV et toute l'équipe qui a été mise à ma disposition au cours de cette année, au cours de l'année dernière. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. À bientôt. Au revoir. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates in abundance and cause.